Здравствуйте, мы сейчас находимся у стены коммунаров, которая свидетельствует о последних моментах Парижской коммуны. Это было почти 150 лет назад. Это кладбище, где похоронены герои французского рабочего движения, а иногда и других стран, является не только местом памяти, но и местом надежды. Ведь мы знаем, что опыт Парижской коммуны, первый опыт социализма, первая диктатура пролетариата была не только, хотя и важна, национальным сопротивлением народа в то время, когда буржуазия предала родину, но и международным сигналом. Это был великолепным рассветом. И, конечно, мы думаем о СССР. КПРФ попросил нас возложить цветы к стене коммунаров. Естественно, эта просьба имеет для нас огромное символическое значение, поскольку подчеркивает международную преемственность революционных событий. Président du pôle de Renaissance communiste en France, le camarade Léon Landini. Cher camarade Léon Landini, délégué de la 51e conférence de branche de la ville de Moscou, du Parti communiste de la Fédération de Russie, dédié au rapport et au choix des candidatures, vous félicite chaleureusement et cordialement, vous et tous les communistes de votre organisation, à l'occasion du glorieux 150e anniversaire de la Commune de Paris. L'exploit du prolétariat français, qui a créé le premier État au monde des travailleurs, a marqué une nouvelle étape historique de la lutte contre le capitalisme. L'image des communards, selon l'expression de Karl Marx, prêt à prendre d'assaut le ciel, est devenue un exemple inspirant les générations suivantes de combattants pour le socialisme. En URSS, la journée de la Commune de Paris était une fête dans tout le pays. On nommait des navires, des entreprises industrielles, des rues, des villes du nom de la Commune de Paris. Nous, les communistes de Moscou, gardons sacrées les traditions de cette magnifique fête. Nous organisons l'éducation internationaliste de nos jeunes camarades du parti sur la base de l'exemple des communards parisiens. À l'occasion de la journée de la Commune de Paris, nous nous faisons un devoir de réaffirmer notre solidarité sans faille avec les camarades de France et du monde entier qui luttent pour le socialisme, les droits du peuple travailleur et la liberté contre l'exploitation capitaliste. L'exemple héroïque des communards parisiens vit et vivra dans nos cœurs. Nous nous inclinons devant la mémoire lumineuse de ceux qui, il y a 150 ans, dans les rues de Paris, ont donné leur vie pour la cause du travail. Chers camarades, nous nous adressons à vous avec une immense prière, celle de déposer des fleurs le jour de la commémoration des héros de la Commune, au pied du mur des communards à Paris, au nom de l'organisation du KPRF de la ville de Moscou. Nous sommes sincèrement assurés que cette prière sera réalisée. Gloire à la Commune de Paris et à ses héros. Vive l'unité internationale des travailleurs. Avec respect, le premier secrétaire du comité de la ville de Moscou, du Parti communiste de la Fédération de Russie, membre du présidium du comité central du KPRF, le député de la Douma d'État de la Fédération de Russie, Valery Fedorovitch Pashkin, Moscou, le 13 mars 2021. La lutte continue, camarades.